Salut à tous, c'est Fortnite TV Show. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars, sur Fortnite. Et donc, aujourd'hui, on est en terrain de jeu. On va parler un peu de Polar Peak. Donc, il y a une histoire vocale. Du coup, les gars, donc, comme vous savez, depuis le début, enfin, l'événement final de la saison 8, c'est un. Bah, c'est le volcan qui a été en éruption et qui. Il y a un. Comment dire? C'est pas un morceau du volcan, mais je veux dire, il y a un, voilà, il y a une grosse roche qui est atterrie voilà, en plein dans le glacier de Polar Peak. Et donc voilà, comme vous avez pu voir, il y a une fissure déjà qui est déjà présente. Et depuis quelques jours, les gars, la fissure s'agrandit et il y a de plus en plus de fissures, voilà. Et voilà, on voit clairement que, en tout cas, l'iceberg, la roche de Polar Peak va disparaître. Donc, est-ce qu'ils vont laisser un morceau du château, tout détruit, ou alors est-ce que Polar Peak va vraiment disparaître, que le château, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, comme vous pouvez le voir, là, voilà, il y a plein de fissures, les gars. Donc, je sais pas quand est-ce que Polar Peak va, va être complètement fissuré, va être complètement enlevé. Ou alors complètement fondu, hein, je ne sais pas. Regardez ici, là il y a déjà des morceaux qui ont déjà fondu. Si on tape, il n'y a rien, comme vous pouvez le voir. On peut rien faire, quoi. Et donc, comme vous avez pu voir il y a quelques secondes, je vais essayer d'attendre qu'ils reviennent. Mais on voit, on entend du bruit avec de la poussière qui. De la fumée blanche qui sort du rocher. Et du coup, je pense que voilà, il y aura sûrement un événement, je pense, à mon avis, il y aura sûrement un événement, voilà, pour, vous avez vu la fumée encore blanche qui sort du rocher. Et donc je disais, voilà, donc il y aura sûrement un événement, voilà, sur de Polar Peak, hein, dans quelques jours, pour cette fin, hein, voilà, pour son, fin, ouais, voilà, pour voir qu'elle va fondre ou alors qu'elle va être enlevée. Et donc voilà, du coup, bah, l'événement, s'il y en a un, c'est pas sûr, mais je pense qu'il y en aura un. S'il y en a un, voilà, comme d'habitude, vous savez que je ferai une vidéo après, parce que voilà, pour l'instant, mes live bug, mais voilà, je vous mettrai une vidéo directement après. Mais voilà, donc si, enfin, pour remarquer les fissures du glacier et la fonte, voilà, je pense qu'il faut venir un peu près tous les jours et regarder à peu près. Mais déjà, on voit clairement que, enfin, ça fait que 2 semaines que le pass de combat est sorti, enfin, la saison 9 est sortie. Et on voit déjà, voilà, que le glacier, que le rocher a déjà beaucoup fondu. Et que, ouais, il y a énormément de fissures. Donc voilà, c'est sûr et certain qu'il tiendra pas. Mais voilà, il tiendra pendant combien de temps? Je ne sais pas. Bon, quand il y aura plus d'informations, voilà, on vous le dira. Enfin, je vous le dirai, hein, comme l'événement à l'outlick. Et du coup, les gars, donc voilà. Et donc, peut-être que si, voilà, si cet iceberg, enfin, si ce rocher plutôt venait à fondre, et eh ben, ce serait peut-être la fin. Le retour de Crazy Grove. Voilà, le retour de Crazy Grove. Je cherchais le mot. Le retour de ce Crazy Grove, les gars, voilà. Parce que peut-être que. Peut-être que le glacier va peut-être soit casser, va peut-être tomber directement sur Crazy Grove et peut-être tout casser, ou alors je sais pas, il y aura peut-être un énorme truc d'eau, ou je sais pas, un truc dans le genre, une vague d'eau à l'intérieur du glacier parce qu'il y a fondu, qui va tout prendre sur son passage, notamment le glacier de Crazy Grove. Alors, en tout cas, on sait pas. Mais imaginez un petit événement sympathique, voilà, avec Crazy Grove, avec Polar Peak, en tout cas, voilà, on verra bien. Et du coup, en plus, ce serait un peu logique, parce que voilà, là, aujourd'hui, enfin, pas dans le jeu, mais actuellement, en vrai, on est au mois de mai, voilà, c'est bientôt, enfin, ça va être la saison chaude, donc ce serait logique que le glacier fonde et que voilà, tout disparaît, ça serait vraiment logique. Je pense qu'ils vont pas laisser indéfiniment, voilà, l'hiver et voilà, le côté voilà, glacier hiver. Donc voilà, ce serait logique, ce serait très stylé. Et en tout cas, voilà, ça arrête pas de fondre, les gars, ça arrête pas de faire des bruits bizarres et qu'on n'arrête pas de voir depuis tout à l'heure la poussière blanche.
voilà, qui s'en va du glacier. Donc voilà les gars, je vous dis s'il y a un événement par rapport à Crazy Grove ou par rapport à ce Polar Peak, voilà, ce petit glacier, enfin ce gros glacier plutôt, voilà, je refais une vidéo, voilà, ou alors si on a plus d'infos par rapport aux fissures ou quoi, je refais une vidéo, il n'y a pas de souci, vous savez quoi, là je fais pas les vidéos à moitié. Donc voilà les gars, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, c'est très important pour être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver. En plus, soit demain ou ce soir, je sais pas, il y aura une autre vidéo, mais voilà, il y a du très lourd qui va arriver en news. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à mettre la cloche, c'est très important. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à surtout partager aussi pour que tout le monde soit au courant, voilà, de ces fissures qui sont de plus en plus grosses à Polar Peak. Voilà, en tout cas, on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.